Alors, j'ai deux contributions, je dirais. J'ai celle à titre professionnel, puisque je coach et je forme aussi bien des hommes que des femmes, d'ailleurs, de manière générale, sur le thème du management et du leadership. J'accompagne des femmes dans le développement de leur carrière. Alors, j'évite de dire leadership au féminin, parce que je ne veux pas qu'on enferme les femmes dans cette case-là. Je pense que nous avons tous des comportements plus ou moins masculins, plus ou moins féminins, et qu'il faut jouer de ce curseur-là et de ses polarités, selon les situations. Donc ça, je dirais que c'est ma contribution professionnelle. Comme je disais tout à l'heure, j'anime des formations hommes-femmes, donc mixtes, avec un collègue homme aussi sur cette question-là, l'alliance entre les hommes et les femmes dans les organisations. Et à titre personnel, je suis membre de plusieurs associations et plusieurs réseaux sur la question de l'égalité homme-femme. Et donc, ça fait aussi plusieurs années que je suis intéressée par cette question-là. Et j'ai animé aussi, dans le passé, les ateliers carrières d'HEC au féminin. Enfin voilà, donc j'ai fait beaucoup de choses aussi au niveau associatif.